Mesdames et messieurs, puis-je avoir votre attention, s'il vous plaît? Signore e signori, posso avere la vostra attenzione, per favore? Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? Salut à tous les phénomènes, ici c'est Phenomenfla et bienvenue pour un nouvel épisode de feu dans 01 Hero sur FIFA 21. Ouh yeah! Alors aujourd'hui les amis, nous avons un programme de feu, mais avant de se pencher sur ce fameux programme, déjà nous pouvons constater une chose. Bon, je vous aime dire, pour le moment ça ne signifie pas grand chose, mais comme on peut le voir, nous sommes actuellement deuxième, juste derrière l'OM et devant le PSG, c'est quand même à noter. Alors du coup les amis, ici... on a joué le premier match de championnat, c'était contre Nîmes, Olympique, et nous avons gagné assez facilement, d'ailleurs je vais vous montrer le score, nous avons gagné 6-0. Et pourtant, bah, le score à mon sens ne reflète pas du tout la philosophie du match, parce que nous avons eu très très difficile. Et puis, bah, je ne sais pas, en deuxième mi-temps, bah, Nîmes a commencé à perdre beaucoup de ballons, à jouer à côté de ses pompes, et du coup, bah, nous on en a profité. D'ailleurs c'est simple, j'en ai profité puisque c'est moi qui ai marqué les 6 buts. Donc juste pour vous dire que je suis encore en feu pour cette nouvelle saison et surtout pour nos débuts pour le Pau FC en Ligue 1. Alors du coup les amis, aujourd'hui au programme, nous avons du pain sur la planche pour cet épisode qui va être juste gigantesque, un épisode de feu. Comme vous avez pu voir la miniature, je les ai d'ailleurs déjà mis, les clubs que nous allons affronter. Ici on va commencer par l'Olympique Lyonnais, premier match. Ensuite par l'Olympique de Marseille et nous allons enchaîner avec Saint-Étienne. Alors justement les amis, aussi autre chose, j'ai été un peu plus loin, donc ici vous pouvez voir un petit peu aussi le reste du programme. Et pour le moment, bah, je ne vois toujours pas d'Europa League ou quoi que ce soit s'afficher. Donc si jamais je ne suis pas repris en Europa League, ne vous en faites pas, nous jouerons quand même une compétition européenne parce que j'ai préparé une petite surprise pour vous, mais ça, je vous la dévoilerai si il y a besoin et... au cas où, je la garde au frais, rien que pour votre plus grand plaisir. Bref, les amis, alors, avant que la vidéo ne commence, n'oubliez pas, comme d'habitude, je compte sur vous pour m'atomiser cette barre de like. Mettez un maximum de pouces bleus, je compte sur vous. Et puis, si vous êtes nouveau ou que ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour me donner de la force. Et comme ça, bah, vous m'aidez dans la passion et ça me fait toujours extrêmement plaisir. C'est toujours super motivant. Et comme ça, bah, je peux vous proposer de nouvelles vidéos et vous ne pourrez rien louper des prochains contenus, que ce soit gaming, urbex, story, court-métrage ou autre déconnade. Parce que comme vous le savez, sur cette chaîne, vous êtes les rois. Je vous écoute et puis bah vous avez un contenu super diversifié. Donc que demander de plus? C'est encore mieux qu'un programme télé. Donc voilà. Bon, l'instant pub est passé. Il est temps de se rendre directement dans l'antre des Lyonnais. A tout de suite les amis. Et voilà les amis, nous y sommes dans l'antre des Lyonnais. Et comme vous pouvez le voir, bah, j'ai marqué effectivement les 6 derniers buts lors du précédent match. Donc comme je vous l'avais dit, contre Nîmes. Et ici, bah, regardez-moi ça déjà ce stade. Comme il est beau, uni pour rugir. Ça, c'est de la devise. Nous, c'est vaincre ou sourire. Donc, bon, nous, on sera toujours positif quoi qu'il arrive. Mais regardez-moi ça. Ce stade, il est magnifique. Il est beau. Oh là là. J'ai hâte de voir la compo de l'Olympique Lyonnais. En tout cas, voir un petit peu s'il y a des nouveaux arrivants. J'ai vu qu'il y avait Popov qui était arrivé. Mais sinon, je ne connais pas tous les joueurs non plus. Bon, là, on reconnaît Lopez. Là, on l'a reconnu. Enfin, il y a l'air d'avoir du beau monde, on va le savoir tout de suite. Memphis Depay, normalement, et je pense qu'il est encore là. Je pense pas me tromper. Ah ouais, j'entendais bien. Tchou, il y a déjà les Lyonnais qui sont en train de faire un clapping, quoi. Ouh, ça va être un match sous tension, les amis. Mais en tout cas, on est chaud, chaud patate, et j'espère que tout va bien se passer. Une chose est sûre, c'est que ça va être un très beau match. Alors, on va voir tout de suite la composition de l'Olympique de Lyonnais. Alors, ils vont jouer en 4-3-3. Alors, évidemment, Lopez est au but. Anderson, Cooper, Gunter, Paqueta, qui va falloir vraiment beaucoup souhaiter. Reyna Adelaide, Ekambi, Depay. Oui, il est bien là. Et Mann aussi. Une très, très belle équipe. Je suis même étonné que Dembélé soit sur le banc. Mais bon, on verra. Il faut dire que Paqueta, c'est un talent pur. D'ailleurs, même dans la vraie vie, c'est une machine, le gars. Il marque à chaque match. Alors, de notre côté, bah, recette qui fonctionne, recette habituelle. Donc, Trindade sera au but. Scaramazzino, Karabali, Kamaziko et Comis, pardon, font la défense. Au milieu, Makowski et etc.
Et évidemment, en attaque, je suis là. On va jouer en dispositif 4-2-3-1. Donc, Makowski est associé à Moyard, Baptiste sur le flanc. Donc, normalement, bah, ça devrait le faire. Si notre équipe a pu battre Nîmes assez facilement, on a battu le PSG en Supercoupe, donc trophée des champions. Ici, on peut le faire aussi. Maintenant, il va falloir faire très, très, très attention. C'est notre plus gros match en Ligue 1, je pense, face à l'Olympique de Lyonnais, parce que c'est quand même pas n'importe quoi. Allez, c'est parti pour ce gros choc, le premier de la saison, face à un ténor de la Ligue 1. Et là, on intercepte déjà pas mal. Attention, on va se lancer. C'est déjà pas mal, ça, c'est bien engagé. On poursuit l'effort. Voilà, je mets là-haut. Makowski. Oui, vas-y Romain. Oh, joli, Besnard. Oh, purée, on a failli marquer. Première grosse occasion de notre part. Et on va chercher le corner. Regardez-moi ça, quelle belle construction. Et je pense même que là, Romain Armand, il aurait pu tirer. Allez, corner. On va s'appliquer dessus. Mais en tout cas, ça y est, on se montre présent. On montre à l'Olympique Lyonnais que si notre montée a été actée l'année dernière, c'est que ce n'était pas le fruit du hasard. Allez, on y va. Toutes nos victoires, c'est pas le fruit du hasard. On est là, on est présent et on va montrer qu'on est digne du niveau de la Ligue. Je suis là, Makowski. On fait la moi, parfait. Le 7ème but dans le championnat, et oui, ouverture du score pour le POFC. Goal 0-1. Phénomène Fla, c'est-à-dire moi. 0-1, let's go. Ça commence fort, les amis. On démarre tambour battant sur les chapeaux de roue. Et bien voilà, 0-1, ouverture du score par moi-même. Et j'ai encore été une fois bien servi par qui? Par mon fidèle acolyte, Romain Armand. Magnifique. Oh là là là, c'est bon ça. Et bien ça commence bien ce choc. Oh là 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 là. Magnifique. Belle ouverture du score. 5-0, 7ème but en championnat, ça va très très vite. Est-ce que je vais battre un nouveau record ici? Moi je dis pas non, ça pourrait être pas mal. Allez, 0-1 pour le POFC. Let's go. On est bien parti. Makowski. Baptiste. Qui, je me demande pourquoi est-ce qu'il est de ce côté-là. Maintenant, il a sa bonne place. Il est presque revenu en défense. Bien lancé. Romain Armand, je te vois. Là-haut, il faut la faire tout de suite. Le décalage. Et oui, doublé. 0-2 pour le POFC. On reprend les mêmes et on recommence. Répétitam. Magnifique. Oh là là, oui, j'ai fait un peu de latin, donc je préfère exhiber ma culture. Oui, merci. Voilà, comme ça vous savez que, ce que ça veut dire. Oh ouais, avec un petit pont en plus. Fololololololololo. Juste entre les jambes, regardez ça. Hop là. Eh bien voilà, 0-2 pour le POFC. Mais que se passe-t-il du côté de Lyon? Mais que se passe-t-il? Est-ce la crise ou est-ce que c'est notre talent qui est en train de parler? Je ne sais pas, mais dans tous les cas, on va pas cracher dessus et on mène les débats. 0-2 pour le POFC. On est chaud patate. Chaud, chaud, chaud. Le Béarn est chaud. Ouh là là. Alors, on y va. On garde le cap. Paqueta. Qui va en Sekambi sur le côté. Counter. Reine Adélaïde. Counter. Ah, là, je viens de louper complètement l'intervention sur Reine Adélaïde. Mais j'arrive à me rattraper aussi vite. Et on y va, contre-attaque. Avec ma vitesse que je peux passer, parce que j'ai du 90 en vitesse. Je peux aller très très vite. Attention. On y va. On croise. Oui, le triplé. Oh là là. J'ai été jusqu'au bout et je me suis appliqué. 0-3. Oh là là, les amis. Il se passe quelque chose là, aujourd'hui. Il se passe quelque chose. 0-3 contre Lyon. Eh bien, je pense que là, et les Lyonnais vont se faire tirer le nez. Hein. Ils vont même se faire tirer les oreilles hein, avec ça. Oh là là. Ils sont complètement à côté de leur match. Et nous, bah, on en profite avec une efficacité complètement déconcertante. Même Anthony Lopez ne sait rien faire. Regardez-moi ça. Une belle croisée. Oh là là. Sur la tête de Gunter en plus. Oh là là. Oh là 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 là. C'est Caviarland aujourd'hui. Contre des ténors en plus. Oh là là. 9ème but. 9ème but en championnat. Excellent. Allez, let's go. On continue le travail. On est bon, on est bon. On est parti au charbon et ça commence fort. Bien. Et bon ballon, ça encore repris par Baptiste. Qui va me lancer, voilà. Romain Armand qui me l'a lancé. Baptiste qui retrouve le ballon.
Il est pas hors jeu, Besnard. Il doit me la refaire, voilà, pour se dégager un espace. Ah, j'ai voulu la refaire à Romarmand, mais il n'a pas su aller. Oh, il y a un trou. Oh, il y a un trou. J'y vais. Oh, j'ai poussé un peu trop. Sinon, franchement, il y avait l'espace. J'aurais pu y aller. Avec ma vitesse, je peux faire vraiment très très mal. Ah, franchement, je suis très heureux d'avoir bien entraîné mon joueur parce que c'est vraiment tout l'entraînement qui a payé. Hein. Si je ne l'avais pas entraîné, bah, je sais pas où j'en serais, mais au niveau vitesse, je serais pas fort, hein, pas fort du tout. Attention, ouh, parfait. Allez, faut tenir. Reine Adelaide, Memphis Depay, et voilà. 1-3, Memphis Depay relance un peu Lyon dans ce match. Eh oui, Memphis Depay, c'est un des hommes à surveiller. On s'est pas trompé, il marque sur une passe de Reine Adelaide. Tout vient de là, hein. Reine Adelaide se retourne, il voit Memphis Depay, il le lance. Ouais, il n'y a aucune chance. Tadibé n'aurait, je pense, rien su faire là-dessus. Ah oui, un contre-pied, le geste était parfait. Ouais, c'est du grand Memphis Depay, il n'y a rien à dire. Maintenant, bon, pour le moment, on n'a pas trop à s'inquiéter, mais on va rester vigilant. C'est 1-3. Et Lyon, bah, c'est un ténor, donc il est capable de se relancer très, très, très rapidement. On va faire attention. Allez, 1-3. Parfait pour Besnard, cette passe de moi-même. Oh, Romarmand, magnifique. Quadruplé. Quadruplé en une mi-temps. Oh là là, cette action fluide. Oh, qu'elle était fluide. J'adore des actions comme ça, les amis. Je sais pas vous, mais des actions comme ça, c'est magnifique. Gardez ça. Hop, Romarmand met dans le vent tout le monde avec sa petite talonnade. Et puis moi derrière, bah, j'en profite avec ma vitesse. C'est parti. Et voilà, quadruplé. 1-4 à la mi-temps. Oh là là. On se dirige à une victoire, les amis, mais oh combien étonnante. Mais c'est incroyable. Contre Olympique Lyonnais en plus. C'est pas comme si c'était un petit club, c'est pas un club de division inférieure, ni un club de régional ou que sais-je, sans dénigrer le football régional, mais bon, c'est l'Olympique Lyonnais en face quand même, dis donc. Ça joue la Ligue des Champions et on est en train de leur mettre une correction. C'est un truc de fou. Bon, normalement l'arbitre va siffler, dans pas longtemps, voilà, il va siffler, normalement. S'il veut bien, voilà. Bon, bah voilà, fin de première mi-temps, que dire de plus, bah, Lyon est complètement à la ramasse. Ils ont eu deux occasions, dont une qui s'est transformée en but par Memphis Depay. Et en attendant, bah, nous, on arrive à percuter en défense. En contre, on est excellent, comme d'habitude. Et ici, bah voilà, le score en reflète. 1-4 à Lyon. C'est excellent. Accélération, a fait sur le côté, à l'homme dont je ne me souviens plus le nom. Et il perd du temps. Mais on obtient un coup franc. Évidemment, c'est moi qui vais le botter. Allez, on y va. On va essayer de se concentrer. J'en ai toujours pas mis d'ailleurs des coups francs en match officiel. Et puis, bah, tout court sur FIFA, j'en ai jamais marqué un seul. Jamais. Parce que c'est pas un exercice que je maîtrise encore pour le moment. Je m'améliore, mais je suis pas encore au top. D'ailleurs, si vous avez des conseils au niveau bottage de coups francs, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Je suis très très preneur. Parce que j'aimerais bien quand même convertir l'un ou l'autre coup franc si j'ai l'occasion. Alors, Scaramasino qui sort. Et c'est l'entrée de Bansé. Ok. Et de côté, c'est Popov qui est arrivé. Allez, on va la placer. Voilà. Ouh ! Un peu plus de bon timing et elle peut rentrer. Dommage. Je dois encore améliorer au niveau coup franc, mais je vais y arriver un jour. Je vais arriver à en mettre un. Ça va être énorme. Allez, on reste bien sur nos appuis. Normalement, c'est fait. On va prendre la balle, la dégager. Et ce sera fini. Et bien voilà, les amis. Victoire surprenante, mais facile. Face à l'Olympique de Lyonnais, qui ne se sera pas montré dangereux dans ce match. On va pas cracher dessus. Mais en attendant, très belle prestation de notre équipe. Et voilà. Que dire de plus ? En tout cas, si on réussit à tenir tête comme ça contre tous les grands clubs de Ligue 1, bah, je pense qu'on peut jouer le titre. Ou en tout cas être bien classé. Bon, eh bien les amis, on va accueillir à domicile l'Olympique de Marseille. Donc, gros match à la maison. Et on va essayer de faire bonne figure comme nous avons fait face à l'Olympique simplement de Lyon. Et si tout va bien, tout ira bien. D'ailleurs, les amis, à la fin de cet épisode, on fera un point sur le classement, mais il y a des petites surprises. Maintenant, bon, vous allez me dire, nous sommes qu'en début de saison, donc pour le moment, il n'est pas très significatif, mais
quand même, il y a des équipes qui se démarquent un petit peu. Donc pour le moment, bah, nous sommes premiers, puisque nous avons gagné nos deux matchs. Et l'Olympique de Marseille est quatrième actuellement. Comme ça, vous voyez un petit peu où nous sommes situés dans le classement pour le moment. Et on va essayer de faire bonne figure face à une équipe de Marseille qui actuellement, d'ailleurs, dans la vraie vie, est très très malade, je trouve. Parce que voilà, ils n'arrivent pas à enchaîner les bons résultats. Et j'espère pour eux qu'ils pourront redresser la barre très rapidement. Parce que bon, c'est quand même un club plutôt chouette à suivre. Et bah voilà, j'espère pour eux ça s'arrangera. Et comme, encore une fois les amis, en France je ne supporte pas de club en particulier. Mais voilà, il y a quand même des petits clubs auxquels j'ai plus d'attache. Parce que c'est des clubs que j'apprécie tout simplement. J'apprécie mais j'ai pas de favoris, clairement. Bon et ben voilà, système habituel, comme d'habitude. Et on va affronter cette équipe de Marseille qui d'ailleurs a un très beau maillot au passage. Un beau maillot bleu, j'apprécie beaucoup. Et on va voir un petit peu la composition d'ailleurs de cette équipe marseillaise. Alors déjà, Mandanda au but, ça n'a pas changé. Dispositif 4-3-3 habituel. Amavi, Alvaro, Duarte, Sakai, pareil. Lopez, Troutman, Rongier, pareil. Radonjic, Eder. Et Kayamba. Eder. Oui, il y a eu des transferts là. Eder. Ok. Eder, le Brésilien, est prêt. Ah non, il est italien, pardon. Eder, l'Italien, joue à Marseille. Ok, bah voilà, il y a déjà une première différence par rapport à l'Olympique de Marseille que je connais. Ok. Donc ça sera différent. Ça sera pas la même chose que Payet, à mon avis. Allez, c'est parti, on y va. On va essayer de faire un bon résultat comme face à Lyon. Si on a pu les battre, les Lyonnais, on peut battre les Marseillais. Pas mal. Oh oui, la passe décisive magnifique que je distribue à Romain Armand. Let's go, ouverture du score pour le POFC. 1-0. Magnifique. Et bien voilà, 1-0. But pour le POFC, signé Romain Armand. C'est son premier but d'ailleurs, je pense, en Ligue 1. Oh là là, cette assiste. Oh là là là, la passe. Oh, franchement, il faut souligner la qualité de passe quand même. Que, oh là là, je lui donne un caviar. Et après, bah, il transforme ça. Magnifique. Et bien voilà, on commence bien. Comme face à Lyon, on mène les débats. Et maintenant, bah, si on fait preuve d'une bonne gestion, tout devrait bien se passer. 1-0. Et c'est effectivement son premier but à Romain Armand. Et bien voilà, il ouvre son compteur. Compteur but ouvert pour Monsieur Armand. Exactement. Et on continue. Ah, j'ai voulu la faire en maman. À base, je voulais la faire en bas, mais j'ai dû changer vite de projet. Oh, attention, Kayamba, faut aller dessus. Heureusement que c'est bien sorti, mais ça va revenir à Krongier. Radonjic, et voilà. Un partout, l'OM revient. Fallait s'en douter, hein. On a la pression depuis tout à l'heure. Il n'arrête pas de se montrer pressant, et voilà. Ça nous porte préjudice et ça paye pour l'OM, ce presse. Un partout, le match est relancé. Fallait s'en douter, hein. Trop de trous. Et alors, on laisse trop faire. Beaucoup trop faire. Ah, mes coéquipiers, là, ils ont laissé beaucoup trop d'espace. Et le talent de Radonjic, bah, il a fait le reste. En attendant, voilà. Égalité. L'OM est relancé. Un partout. Oh là là. Ça va être compliqué, hein. Et c'est son premier but, en plus. Pour Nemanja Radonjic. Voilà. Ah, alors on aurait pu s'en passer hein, d'encaisser ce but. Voilà, on écarte un peu. En bas. Ça passe tout juste. La réponse. La réponse. 2-1. Oh là là. 2-1. Oh, je me suis déchiré la voix, pardon. Je vais reboire un petit peu. Oh la vache. Oh là là. 2-1. Et bien voilà. On repasse devant. Ça s'appelle répondre à la bergère. Tout simplement. Le berger a répondu à la bergère. Et voilà. 2-1. On repasse devant. Ça fait plaisir. Et c'est déjà mon 11e but. En seulement 3 matchs d'ailleurs. En 3 matchs, marquer 11 buts, c'est. C'est une bonne moyenne.
Allez, on y va. On est repassé devant maintenant. Faut montrer les crocs. Romain Armand, tu peux me la refaire. Voilà. Oh, si on enchaîne. Oh, j'ai poussé trop, mais ça passe. Ouh, Mandanda n'était pas sorti. Et heureusement qu'il a des réflexes. Sinon, c'était le 3-1. On aurait pu punir l'Olympique de Marseille tout de suite. Ouais, hors jeu. Bah ouais, mais il l'a fait trop tard. Bon, bah voilà. Oui, juste là, il aurait dû me la faire maintenant. Je l'ai demandé, hein, en plus. Ouh, et si on prend les pieds, je suis pas hors jeu. Là, c'est le genou, c'est dans le mouvement. C'est encore un petit peu limite, hein. Moi, personnellement, je ne siffle pas hors jeu, hein. Moi, je pense que je suis pas hors jeu du tout. Enfin, il faudrait m'expliquer, d'ailleurs, s'il y a des spécialistes dans les hors jeux. Est-ce que, quand il y a hors jeu, on compte tout le corps, quelle que soit la partie du corps qui est hors jeu? Ou alors, est-ce que c'est les pieds qui sont prioritaires? Moi, je pensais que c'était les pieds qui étaient prioritaires. Maintenant, bon, je me trompe peut-être, hein, parce qu'il faut dire, il y a tellement eu de changements, et il y a le nouveau règlement qui est arrivé, enfin bref. Si quelqu'un s'y connaît un peu plus, bah, il peut me faire signe, moi je suis preneur. Faute? Ah bon? D'accord, j'ai eu beau tac, mais il me met faute. Est-ce que l'arbitre serait pas en train de tourner de l'autre côté par hasard? Je sais pas, mais ça devient louche. Attention, on arrive bientôt à la fin de cette première période, mais il faut essayer de garder l'avantage. Attention, Rongier, il avance. Ah bah voilà, 2-2. Hein. Ah bah oui. Encore des trous, hein. On laisse des trous, mais c'est incroyable. Ah bah oui, il faut pas se plaindre après. Et c'est Eder qui marque. Bah oui. Il y a trop de trous. C'est incroyable le nombre de trous que mes coéquipiers en défense laissent. C'est une catastrophe. Gardez-moi ça, les trous. Et Makowski, je sais pas ce qu'il fait. Il ne va pas se ronger. Mais après, bah, il avance. Il fait la passe à Eder. Qui d'ailleurs est très très mal marqué. Et voilà. En attendant, bah, il pousse le ballon au fond. Et voilà. 2-2. Égalité de nouveau. On recommence. Ah là là. On n'apprend pas de nos erreurs. Et un jour, on va le payer cher, ça. On va le payer cher. 2-2. On recommence. C'est un beau match en tout cas, vous avez du spectacle. Fait. Là-haut. Je passerai pas. Ah, il est hors jeu. Non? Non. Il y a de la chance. J'ai vu qu'il était encore parti trop tard. Oh, Wayard, je le vois. Koski. Attends, il faut temporiser un peu. Sa dernière action de cette période. Je passe. Oui. Oh, repasse devant! Signé Romain Armand! 3-2. Yes! La réponse de nouveau, doublé pour Romain Armand. 3-2. Oh là là les amis, mais quel spectacle! 5 buts en une mi-temps. Ah bah vous êtes servis, hein, franchement. Faites péter un maximum la barre de pouces bleus, hein, je compte sur vous. Oh là là, quel beau match! Et que de belles actions. Ça c'est de la gestion. Vous avez vu ça? Je ne suis pas précipité trop vite. J'ai vu qu'il y avait possibilité de la mettre sur la tête de Armand. Et Romain Armand, bah il la plante. Magnifique. Et ben voilà, 3-2, on repasse de nouveau devant. Oh. Ça, c'est un beau match. Ça, c'est du beau match. Franchement, j'apprécie. Il y a du challenge. Allez, 3-2. Et c'est le deuxième d'ailleurs pour Romain Armand, qui aura marqué son premier et son deuxième dans le même match d'ailleurs. Romain Armand. Voilà. Bon, fin de cette première période, bah, que dire de plus? On est bien installé dans le match, sauf que au niveau de défense, on laisse encore trop d'espace et ça nous a porté préjudice à plusieurs reprises. Et j'espère que maintenant, à la mi-temps, bah, tout ça va être corrigé. Mais en attendant, on est bien parti pour peut-être aller chercher un bon résultat encore une fois ici. Allez, on y va. Direction à seconde période. On perd pas de temps et j'espère qu'on va continuer comme ça. Ça passe tout juste ma transmission. J'ai été allé au physique un petit peu. Je passe. Romain Armand qui doit me la refaire. Parfaitement. Romain Armand qui peut y aller. Ah ouais, ouais, mais il s'est pas lancé assez vite, sinon c'était bon. Takowski. Voilà qui la transmet à moi. Oh, c'est limite. Il n'y a pas faute, mais c'est très limite. Et changement. Alors, Wayard sort et c'est Lobry qui va rentrer sur le terrain. Et du côté de Marseille, il y a aussi un changement. Radonjic sort. C'est très étonnant, ça. Et c'est Aké qui rentre. Très étonnant comme changement. Je m'y attendais pas. Oh, il y a encore un coup de téléphone.
Oh, ça va être vite bâclé tout ça. Oh, le but! J'ai marqué! Voilà. Comment raccrocher au téléphone des tapis? Oh, j'en ai marre à chaque fois. C'est des numéros à rallonge pour me vendre je ne sais quelle bêtise. Et à chaque fois, ça m'interrompt dans mes vidéos. Là, au moins, il ou elle a compris. J'ai même pas entendu sa voix, je voulais même pas savoir quoi ou qu'est-ce. Mais en attendant, quel but de Besnard, magnifique, quelle frappe! Et en attendant, on prend le large, 4 buts à 2. Voilà ce que je voulais dire. Oh là là, magnifique. Et oui, tu peux bien montrer, c'est lui, c'est Besnard. 4 buts à 2, c'est son premier but d'ailleurs en Liga Uber Eats. Ah, purée, je me suis défoulé sur ce coup de téléphone. Oh, je vous jure les amis, pour le moment, je sais pas ce qui se passe, mais qu'il y ait confinement ou pas, et je pense même que depuis qu'il y a le confinement, c'est encore pire. Il y a des vendeurs de carpettes, des numéros chelous qui m'appellent, et franchement, c'est saoulant. Oh, et en parlant de ça, est-ce que... Oh, j'ai failli en mettre un. Oh, j'ai failli la transformer. Heureusement qu'il y a Steve Mandanda dans les buts de l'OM. Sinon, ça pouvait finir au fond. Parfait. Ah, j'aurais peut-être dû aller lui donner un coup de main, mais j'ai pensé qu'il l'avait, donc j'ai pas voulu le gêner. J'ai été trop poli là-dessus. On centre. Romarement qui arrive. Ouh, et re-corner. Normalement, on se dirige vers une victoire, donc... On a à dire qu'on a fait le travail. Et ça, c'est, ça fait super plaisir. C'est une bonne nouvelle. Ce sera Duarte qui va essayer de repartir. Peut-être pour la dernière action de ce match. Non, je pense qu'il n'y aura même pas au bout. L'arbitre va siffler. Voilà. Eh bien, les amis, magnifique. Deux matchs contre des ténors de Ligue 1. Et deux victoires. On a eu plus difficile ici face à l'Olympique de Marseille. Mais on a été exemplaire. Ou presque, parce que malgré tout en première mi-temps, bah, si on a encaissé, c'est à cause des trous qu'on a laissés en défense. Mais en attendant, on peut être fier de notre performance. Et surtout, bah, Romarement, il a été mais incroyable. Bon, bah, les amis, on perd pas de temps. Et maintenant, on va se rendre tout de suite pour affronter notre prochain adversaire, qui est l'AS Saint-Étienne. A tout de suite. Bon les amis, je vous reprends dans les menus parce que voilà, finalement il n'y aura pas 3 matchs dans cette vidéo, je m'en excuse déjà à l'avance, mais voilà, j'ai eu une mise à jour qui est tombée inopinément en plein record, en plein milieu de mon match face à Saint-Étienne, et malheureusement ça a tout fait bugger, du coup bah, il n'y a pas le match avec Saint-Étienne, donc malheureusement on ne pourra pas profiter de ce match là, mais par contre nous avons gagné, ça je peux déjà vous le dire. Et de belle manière, puisque nous avons remporté ce match, attention, je vais vous montrer, nous avons gagné 0-4. Nous avons été monstrueux et j'ai marqué 3 des 4 buts. Donc voilà un petit peu le résumé. Alors aussi les amis, par contre, une bonne nouvelle quand même, parce que bon, malgré qu'il y ait eu ce bug là, il y a quand même une bonne nouvelle, même si bon, ça m'embête énormément, puisqu'à la base je voulais vous montrer absolument ce match face à Saint-Étienne. Donc pour la prochaine fois, regardez ce qui nous attend. Nous allons affronter Séville, et oui, nous sommes en Europa League officiellement. Et alors par après, bah, nous allons affronter aussi les Young Boys de Berne et également la Z Alkmaar. D'ailleurs, on va aller voir un petit peu bah, tout simplement les autres groupes de cette Europa League. Alors comme vous pouvez le voir, bah, je vais jouer aussi mes matchs en équipe nationale avec la Belgique. Bon, ça je le fais en hors caméra et on jouera la Coupe du Monde parce que je pense que... Personnellement, étant tenant du titre, et puis bah, vu comment on est bien embarqué, puisque nous sommes premiers avec 22 points, je pense qu'il n'y aura aucun problème pour nous qualifier pour la suite et aller à la Coupe du Monde. Du coup, maintenant, on va aller voir cette Europa League, si ça veut bien venir, parce que comme je vous l'ai dit, du coup, depuis qu'il y a eu cette mise à jour là, ça a un petit peu tout fait foirer, un petit peu. Alors, comme vous pouvez le voir, déjà dans le groupe A, il y a l'AS Monaco, le Slavia Prague, le Dynamo Kiev. Puis après, un autre club auquel je ne m'inscrirai pas au niveau prononciation parce que... Attends, je vais quand même essayer. Je vais essayer quand même, attendez. Alors, Sunder Risk. Bon, c'est pas terrible, donc je sais que la prochaine fois, je ne m'y tenterai plus. Ensuite, dans le groupe B, nous avons Porto, Valence, Lask, Cluj. Donc, il y a du beau monde. Hein. On a Gladbach, Braga, Utrecht, Rapid de Vienne. Groupe D, qui est notre groupe, nous avons Séville, l'AZ Alkmaar. Et les Young Boys de Berne. Donc on a un groupe très relevé. Il va falloir faire très attention et être en forme. Et d'ailleurs pour la petite anecdote. Bah, encore un objectif en plus d'accompli. Puisque nous voulions absolument bah, simplement faire mieux
que quand j'étais à Forest Green, donc lors de la toute première saison de 01 Hero, c'est-à-dire se qualifier en Europa League en étant élu issu d'une division inférieure. Et ici, bah, on est qualifié d'office en Europa League, donc ça fait déjà super plaisir puisque nous avons surpassé un des premiers objectifs. Ensuite, dans le groupe E, nous avons le Real Betis, le Besiktas, Vitória Plzeň, Lugano. Dans le groupe F, nous avons Benfica, Salzbourg, l'AEK Athènes, Legia Varsovie. Dans le groupe G, nous avons l'AC Milan, le PSV, le Standard de Liège, Cocorico les Belges, le Steaua Bucarest. Dans le groupe H, nous avons Arsenal, Rennes, POC, Thessalonique, Bodo, Klimt. Groupe I, nous avons l'AS Roma, la Feyenoord, les Rangers et Malmö. Dans le groupe J, nous avons l'Eintracht Francfort, Fenerbahçe et Sporting de Charleroi. Oh, intéressant ça. Il va y avoir des surprises, je sens, cette Europa League. Ça va être intéressant de suivre parce qu'il y a quand même quelques petits clubs belges. Moi, personnellement, ça m'intéresse. Après, on a Mulde. Et dans le groupe K. Oh ! Bah, regardez qui on retrouve. Bah. Ah bah voilà. On risquerait bien, si Wolfsburg passe la phase de groupe, de retrouver Wolfsburg. Peut-être que c'est le destin. Mon ancien club, le club de la saison précédente. Donc il y a Wolfsburg, Leicester, Başakşehir, Pulten. Ok, donc il y a Wolfsburg, ça pourrait être intéressant de jouer contre mon ancien club, groupe L. Oh, l'Atalanta, encore un ancien club dans lequel j'ai joué. Bon, bah, on va retrouver deux anciens clubs dans lesquels j'ai joué, dans les saisons précédentes de 01 Hero. L'Atalanta et Wolfsburg. Alors, avec l'Atalanta, il y a Bâle, il y a Midtjylland et Hammarby. Ok, c'est intéressant à savoir. Du coup, les amis... Malgré qu'il y ait eu ce petit bug, alors je vais vous montrer aussi le classement de cette Ligue 1 Uber Eats où nous sommes, parce que il y a des surprises. Et puis bah nous, bah sans surprise, nous sommes premiers au classement. Mais on va quand même s'y attarder longuement parce que il pourrait y avoir des surprises en cours de parcours, c'est sûr et certain. Je bois un petit peu d'eau parce que j'ai la gorge super sèche d'ailleurs. Alors, comme vous pouvez voir, donc, nous sommes premiers pour le moment. Bon, c'est que le début de championnat, il n'y a pas encore de tendance pour le moment. Mais on peut voir que nous sommes premiers, suivis par Metz, Montpellier et le PSG, avec Lille et Rennes qui sont au contact pas très loin. Mais en tout cas, on peut voir que certains gros clubs sont déjà largués. Donc, à voir, est-ce qu'ils vont relever la barre vers la fin de saison ou peut-être dès le match suivant. Je ne sais pas, mais en tout cas, il serait temps pour eux de bouger. Bref, voilà un petit peu le classement. Donc il y a potentiellement des surprises qui pourraient arriver lors de cette saison. C'est tout ce qu'on veut d'ailleurs, ça va faire plaisir. Du coup les amis, on va se laisser là-dessus. Et pour le prochain épisode, en espérant qu'il n'y ait pas de bug cette fois-ci, on se retrouvera pour affronter Séville. Bon, le PSG, on l'a déjà vu plusieurs fois, donc on va passer ce match-là. On va donc affronter pour la prochaine fois Séville, les Young Boys de Berne et l'AZ Alkmaar. Voilà un petit peu notre programme pour la semaine prochaine. Voilà, voilà. Bon, ben, attends, les amis, j'espère que cet épisode vous a plu. En tout cas, on a mis le feu, c'est le cas de le dire, puisqu'on a eu un bilan de 3 matchs gagnés dans cette vidéo. Donc, pour le moment, on est à 100%, on est invaincu dans cette Ligue 1 Uber Eats, et ça fait super plaisir. Donc, si vous avez kiffé, n'oubliez pas, balancez un maximum de likes, explosez-moi cette barre de pouces bleus. Et comme ça, bah, tout simplement, ça permettra aux vidéos d'être mieux référencées, plus visibles, et ça aidera la chaîne à grandir plus facilement. Et puis, bah, c'est toujours motivant, et ça montre que vous kiffez les vidéos et que je peux vous en proposer encore plus. Et évidemment, si vous êtes nouveau ou que ce n'est pas encore fait, je vous souhaite la bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner en masse à ma chaîne YouTube pour ne pas louper les prochains contenus, que ce soit gaming, urbex, story, court-métrage et autres déconnades. Et sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao! Ooh, yeah! Fearless!